Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous vous proposons une excellente recette de pommes de terre au four, idéale pour tous les végétariens ou accompagner les viandes et poissons. Allez, on va commencer par couper nos oignons. Voilà. Allez, on réserve les oignons. À présent, nous allons couper l'ail. Et voilà. Allez, on réserve l'ail. À présent, on va couper nos pommes de terre. Allez, on y va. Donc, je les coupe en tranches. À peu près 3 mm, hein, 3 à 4 mm d'épaisseur. Allez, on continue. Vous avez vu, hein, je conserve la peau de mes pommes de terre. Si elles sont bien lavées, il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés. Et voilà, c'est prêt. Allez, sur notre plaque qui va au four, j'ai mis un papier de cuisson. Je viens mettre mes pommes de terre. Laisser partout bien. Au sol. Au poivre. Un petit peu d'herbe de Provence, léger. Et on met notre huile. Voilà. Un bon filet au milieu. On mélange. Allez, on répartit bien. Voilà. Allez, on met au four. Allez, à présent, on enfourne. Alors, voyons voir nos patates au bout de 20 minutes de cuisson. Bon, impeccable, on va pouvoir ajouter l'ail et l'oignon. Allez, on y va. Alors, on ajoute notre ail, nos oignons. Le fait de le rajouter en cours de cuisson, ça évite qu'il brûle. On remet un petit peu d'herbe de Provence. Allez, on remet au four pour un quart d'heure. Allez, voyons voir nos pommes de terre. Impeccable. Allez, c'est prêt. Et voilà, c'est prêt. Regardez cette belle assiette de pommes de terre, pleine de saveurs. Allez, on vous laisse, parce que nous, on va vite passer à table. À bientôt. Pour la recette, nous avons utilisé 600 g de pommes de terre, 2 oignons, 4 gousses d'ail, des herbes de Provence, du sel, du poivre et de l'huile.